je tente de le stopper, mais c'est impossible. C'est impossible de stopper le bus. Il a plus de frein, il est en train de... Je vais me faire broyer par le bus. Je vais me faire broyer par le bus. Aujourd'hui, on va essayer de faire l'impossible sur BeamNJ. On va essayer d'arrêter ce bus. Franchement, on a essayé plein de fois. Sur pendant des courses poursuites. C'est impossible. Je vais essayer de trouver une technique pour arrêter ce bus. C'est bon. On y va, je suis avec mes collègues. Mon gars, le bus, il va tellement vite. Il va tellement vite, il arrive en ville. On est à plus de 145 km/h. Où il se retourne, mon gars? Oh purée, il s'est retourné. Oh, j'ai un collègue qui a foncé dedans. J'ai un collègue, il lui a foncé dedans en pleine balle. Oh là là là, collègue. Oh, le collègue. C'est tendu ce qui s'est passé. Ça devait pas se passer comme ça du tout. Attends, on recommence. Ok, je retente de stopper le fugitif. Oh purée, il y a des boss de partout dans la ville. Oh purée, c'est tendu là. Ok, là je rentre. Oh non, mais mec, il est rentré en ville. Oh mon gars, il est rentré en ville. Il a fracassé un balcon et il repart. Ah, il repart tranquille, ok, y a pas de problème. Eh ben, y a pas de soucis, les gars, pas de soucis. Mais je sens que le bus, ça va pas très bien se passer là pour le coup, mec. Mais qu'est-ce qu'il fait, mec? Oh, il m'a arraché la portière. Arrêtez-vous, monsieur, là, c'est trop dangereux, là, ce que vous faites, monsieur, là, non, faut arrêter, là. Il a arraché une roue, stop. Ah, ça va, j'ai réussi à l'arrêter, le bus, du coup. En même temps, il a fait une erreur, cet abruti. Cette fois-ci, il est dans le petit village, le petit village en haut de la montagne. Regarde, il est là, regarde comme il va vite, dans le village, c'est limité à 30 km/h dans le village, je rappelle. Il vient de taper la maison, mais c'est tellement chaud ce qu'il fait. Attends, c'est mort, il va se retourner encore. Mais mec, les passagers dans le bus, à tout moment, ils vont mourir. Il a failli taper dans les rochers. C'est super dangereux, on est sur des routes de montagne. Il est avec son bus sur les routes de montagne. C'est limité à 50 là ici en sortie de ville. Il a 70 avec les passagers dans le bus. Moi je sens que ça va très mal se terminer cette histoire. Oh purée, il a une sortie de route. Oh purée, il aurait pu basculer de l'autre côté. Hein. Ok, j'ai encore arrêté le bus parce que je suis le meilleur policier. Non, c'est juste le chauffeur qui est trop nul. Je suis sympa, je lui donne une autre chance. Ok, parce qu'en vrai, je suis juste un peu curieux de voir ce qui va se passer dans la montagne avec le bus. Tout le monde est curieux de savoir ce qui va se passer là, dans la montagne. Ça se trouve, il va basculer, mec, ça peut être trop beau. C'est le mauvais policier là. Eh, monsieur, arrêtez-vous, hein. Oh, mais mon gars, il a failli basculer. Mais il va vraiment basculer en fait. C'est comme ça que ça va se finir. Mec, il repart. Il est en train de repartir. Mais mon gars, c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Ils vont tous mourir. Vraiment. Et il part droit dans l'arbre, là, non? Non, mais mec, c'est fini, là, en fait. Il va se retourner, c'est pas possible. Moi, je me méfie, là. Depuis avant, il fracasse le bus. Il est déterminé comme jamais à ne plus s'arrêter avec le bus. Le bus a été stoppé. Tous les passagers sont partis. Non, mais attends, excuse-moi, le chauffeur, là... C'est quoi cette scène? Pourquoi il y a un mec qui est suspendu au-dessus du chauffeur? Mais qu'est-ce que tu fais, le chauffeur là? Oh mon gars, c'est le bordel dans le bus, ils sont tous par terre. Regarde la nouvelle arrestation de folie, j'ai mis le bus en haut d'une montagne avec plein de terre. Mon gars, c'est n'importe quoi. Je le sens tellement pas, attends. Il est où? Mais mon gars, il a enfoncé le passage. Mais c'est un gros malade, regarde ça, il fait le gars, il fait du rallye avec le bus. Vous faites quoi, monsieur, avec le bus là? C'est la sortie scolaire qui a mal tourné ou ça se passe comment là? Pourquoi il fait une marche arrière là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu comptes te jeter dans haut de la falaise ou. Oh mon gars, c'est terrible. Il est en train de faire du rallye, le bus suivant. Mais regarde comme il accélère. Mais mec, il va... Il bascule. Oh mon gars, ça c'est... Je crois qu'ils sont tous morts là. Attends, il est tombé de la falaise. Il s'est tordu, il est dans l'arbre. Il a une belle vue, lui. Deuxième essai sur une route un peu plus large. On est encore sur une route de montagne. Mec, il a déjà tapé dans l'arbre. Il a défoncé. Il est en train de se démonter dans l'arbre. Il a déchargé tous les passagers. Le bus, il s'est barré sans les passagers, là. Attends, il y a eu un problème, là. Monsieur, revenez ici, monsieur. Vous avez laissé tous les passagers. Et si on n'a pas envie, là, attends. Mec, il se barre. Il a privilégié le rapport poids-puissance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vraiment, il se barre. Il a oublié tous ses élèves. Il paraît que le bus défoncé. Monsieur, c'est pas bien de laisser les gens dans la falaise comme ça. Ils vont mourir de faim et de soif. Attends, là c'est bon, il est sur une route de bitume, ça y est. Le gars, c'est devenu un pilote. Hein. Mais il fait un drift et tout avec le bus. Oh la glissière. Oh la glissière. Mon gars, c'est tendu là. C'est tendu. Par contre, c'est hyper chaud là parce que... Mon gars, il te fait des points de corde depuis un moment avec son bus là. Attends, mais le pire, c'est qu'il tape pas trop. Hein. Il a juste tapé une glissière. Il est extrêmement dangereux là. S'il y avait du trafic, laisse tomber. J'adore en vrai le concept, ça me bute. Parce que le bus, il se passe tellement des trucs de fou. Je sais que vous adorez aussi le bus. Parce qu'il se passe toujours des trucs de fou avec le bus. Fait exactement comme ça là. Attends, il va peut-être partir. Ah, il recule. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de se défoncer dans les arbres. Oh, le moteur, il tient plus. Il va perdre son moteur, cet idiot. Finalement, je vais l'arrêter plein de fois ce bus. Hein.
mec, il se bouffe les murs et tout. Oh, mais laisse tomber. Allez, arrête-toi maintenant, c'est bon. C'est fini. Monsieur, c'est pas bien ce que vous avez fait. Vous avez abandonné tous vos passagers. Monsieur, mais les... vous pensez aux pauvres gens? Aux pauvres gens, là, dans ce bus? Ils ont tous payé un ticket, ils sont restés en haut de la montagne. Comment on fait, là, maintenant, hein? On va faire comment, là? Pas croyable, ces gens, hein? Vraiment pas croyable. Là, je suis sur l'autoroute, et si tu peux le voir, le bus est là-bas, à fond. Il est en train de taper sa meilleure pointe de vitesse. On sait pas ce qui va se passer, mais on sait tous que ça va très mal se passer. Monsieur, vous roulez beaucoup trop vite, là. Vous êtes à plus de 160. J'ai même du mal à vous rattraper avec mon incroyable Peugeot 1 litre PureTech. De police. Wow. Oh, mais mec, c'est pas possible. Mais c'est qui les chauffeurs de ce bus là? Il a tapé un point de corde à 160 km/h. Et en même temps, il y a un gros panneau 90 là aussi. T'abuses, mec. Tu vois bien qu'il fallait ralentir. La magie a fait que le bus s'est remis droit. Nous, on veut voir de l'action là. Hein. Il est beau en vert comme ça. Ça, on dirait un bus de Fast and Furious, un peu tuning comme ça. J'aime bien là. Avec les jantes en néon comme ça. Par contre, les gens, ils ont l'air vachement paniqués dans le bus. Pour l'instant, ils pensent que tout est normal. Ils voient juste une voiture de police qui est arrivée. Ils se sont dit, ah, tout va bien. Mais non, messieurs, dames, tout ne va pas bien là. Messieurs, dames, ça va, mec. Qu'est-ce qu'il a là? Pourquoi il a tapé dans la glissière? Mais arrêtez-vous, monsieur, vous êtes dangereux. Mais monsieur, vous êtes un danger public. Il faut l'arrêter, cet homme là. Regardez, qu'est-ce qu'il fait là? Mais mon gars, attends, je m'attendais pas à ça. Oh, waouh, il a défoncé le bus. Mec, il a défoncé dans la glissière, là. Analysons la situation, là, parce que quand même... Oh là là, le bordel. Ils étaient tous bien assis hein, dans le bus, hein, je dis juste avant. Hein. Avant qu'il y ait l'impact, ils étaient tous assis. Hein. Et là, ils sont tous par terre. Oh là là, l'impact ici, c'était le pire. Ici, il y en a, il a fusionné avec le siège. En même temps, il est parti à pleine balle contre la vitre. Tu peux voir qu'il a explosé la vitre, et après, il a fusionné avec le siège. Et le chauffeur, il est comment, là? Ah, bah, le chauffeur, il est plus là. Hein. Oh, le bras cassé du chauffeur. De toute façon, c'était un bras cassé, le chauffeur. Donc, bon, on lui a pas demandé beaucoup de choses, c'était juste de conduire un bus. Hein. Il a réussi à l'éclater dans une glissière. Situation exceptionnelle. J'ai un bus qui n'a plus de frein. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il s'est retourné. Oh non, ça devait pas se passer comme ça. Il a perdu le contrôle sur l'autoroute. Il devait pas se crasher tout de suite, le bus, là. Parce que là, cette fois-ci, on a du trafic. On a des camions, on a des bus, on a des voitures. Et on est à 160 sur l'autoroute. Le bus est juste ici. Il a plus de frein avec plein de passagers. Il va écraser. Mais mon gars, c'est quoi ce bordel? J'ai cassé mon capot. C'est pas normal, il y a des passagers tout par terre là. Il y a des passagers qui sautent du bus. Attendez, mais il y a des passagers, ils sautent du bus. Oh, un accident de bus. Oh, l'accident de bus. Il y a deux bus qui viennent de se percuter. De plein fouet. Ils forcent le passage. Il y a un passager, il est sur les roues. Attendez, il se passe quoi là? Pourquoi il y a un passager? Il y a un passager sur la route. C'est pompé. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, monsieur? Il y a un passager dans votre coffre. J'en peux plus. Il y a rien qui va dans la course poursuite là. Vraiment, c'est n'importe quoi. Monsieur, faut vous arrêter là. Le chauffeur, il conduit comment là? Mais tentez une arrestation du bus. Il me fonce dessus. Je tente de l'arrêter. Ok, je freine. Je freine de toutes mes forces. Ça freine pas. J'essaie de freiner le bus. J'ai écrasé un passager. J'ai écrasé un passager. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je crois qu'il y a les deux bus. Non, mais il y a deux bus maintenant. Comment ça, je dois arrêter deux bus maintenant? C'est quoi le bordel? Mais il y a un deuxième bus là-bas. Et comment ça se fait que ce bus, il fume plus que l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Mon gars, il a écrasé un mec. Il y a un passager sous le bus. Il y a un passager sous le bus. Regardez, il est assis avec ses grosses fesses sur les pneus. C'est pour ça que ça drift. C'est quoi cette autoroute? C'est une compagnie de bus, tous les chauffeurs sont devenus fous. Les mecs, ils sortent du bus carrément en plein milieu de l'autoroute. J'ai perdu mon bus, moi. À la base, j'étais censé arrêter un bus rouge. Lui, là, par exemple, c'est un sacré malade. Monsieur? Il se fout de moi, le mec, il voyait pas que... Oh, alors là, il y a un bus qui me fonce dessus. Mais quoi? C'est quoi ce... Mais mec, c'est quoi cette situation de fou? Mais y a rien qui s'est... Mais oui, mais allez-y, continuez, vous avez raison. Mais vas-y, ma voiture elle est morte. Je me suis fait foudroyer par un bus. J'envoie des renforts tout de suite. Va falloir attraper le bus qui a pris une énorme avance. Je vais retirer le SC, comme ça je suis sûr que je vais prendre plus de vitesse. J'ai mis le SC en mode sport. Je suis à 180 du coup. Je suis à 200 avec la voiture de police. Par contre j'ai plus aucune aide, donc si jamais je meurs, ça va être super chaud. Mais mon gars, comment je la maîtrise la caisse? On a vraiment perdu la trace du bus par contre là. Attention, le dépassement dangereux, waouh. Mon gars, je suis à plus de 217 km/h. Si je me prends un véhicule, je die. Mon gars, je suis devenu un vrai pilote. Attends, c'est pas lui là en face. C'est lui. Non, ça peut pas être lui. Il est intact celui-là. C'est pas lui. On a perdu la trace du bus. Je crois que je le vois en face.
Attention, attention! Mais tu vois, t'entends pas les gyros! Et voilà, écraser les passagers aussi! Mais les gars, j'envoie des renforts! Et... Je le vois, il est là! On a retrouvé le bus! Ok, c'est lui. Bah, c'est 100% lui. C'est bon, on a retrouvé le bus! Ok, il faut tenter une arrestation du bus maintenant. Attention, parce qu'il y a des passagers partout par terre là. C'est quoi cette autoroute de malade là? Monsieur, il faut vous arrêter. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai des gyrophares poussés sur la glissière. Oh, il m'a bousculé. Non, il fonce droit sur un bus. Il fonce droit sur le bus. Oh, c'est terrible là, les gars. Il y a deux bus qui se foncent dessus. Arrêt brutal. Ça marche pas. Mes roues arrière sont bloquées. Mes roues arrière se sont soulevées. Je tente de le stopper, mais c'est impossible. C'est impossible de stopper le bus. Il a plus de frein, il est en train de me... Je vais me faire broyer par le bus. C'est un truc de fou. Je vais me faire broyer par le bus. Ok, je reprends le contrôle du... Oh, c'est bon, j'ai repris le contrôle. Je vais tenter un truc de fou à ne pas reproduire chez vous. Mauvaise idée, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il a déformé mon train arrière. J'ai ma roue qui est bloquée. C'est une dinguerie. Il faut que je demande à un autre collègue. Collègue, on approche, c'est parti. Oh purée, j'y fais quoi? Il est en train de le désoncer. Waouh. Ok, l'efficacité... Efficace. J'ai pas fait exprès. Mais il est bloqué. Il est stoppé. Je l'ai bloqué. J'ai réussi à l'arrêter. C'est un miracle. Oh là là, attends, par contre, mon collègue vient de se faire percuter à pleine balle. J'ai réussi à stopper le chauffeur de bus. Regardez là, regardez sa tête là. Regardez sa tête de fou là. Grâce à un dérapage incontrôlé de ma part, je me suis bloqué dans la glissière et j'ai bloqué sa roue arrière. Donnez-moi un prochain véhicule à arrêter. Genre un truc de zinzin. Et je vais tenter de l'arrêter dans une course poursuite. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.